Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur LunaCraft. Alors on va commencer premièrement par... Tu veux t'en aller cochon? Allez hop. On va commencer premièrement par se faire reproduire quelques vaches. On va voir si l'usine fonctionne avec un meilleur potentiel que la dernière fois, maintenant que ce petit monde s'est un peu reproduit. Hop, par ici l'XP. C'est fini, donc on redescend, on coupe l'eau. Vous voyez qu'il y a déjà des vaches adultes, donc voilà, on y met le feu. Normalement, elles vont décéder. Voilà, et il ne reste plus qu'à récupérer les loot. Donc on attend que ça arrive. Ça arrive un par un, mais vous inquiétez pas, tout va arriver. Donc là, on fait c'est les steaks qui descendent, après c'est les cuirs. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Si à chaque fois on récolte une vingtaine de cuirs, c'est plutôt bien. Je vais prendre un peu de steak parce que je vais peut-être venir à court de patates au cours de l'épisode. Du coup, je préfère prendre mes précautions. Alors, vous voyez qu'il y a des petits cochons ici. Et ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui dans cet épisode, je vous en avais un peu parlé la dernière fois, c'est qu'on voit tout ce qui concerne la pêche dans Minecraft. Donc on va se pousser, on reviendra voir les cochons dans très peu de temps. J'ai cru... Vous voyez, là il y a un creeper. Et je sais pas, en arrivant comme ça, en tournant la caméra un peu brusquement, j'ai cru qu'il était là, qu'il était là dedans le creeper. Ça m'a fait un peu flipper, mais normalement ça peut pas spawner. Hein, donc. Alors, donc déjà pour pêcher, il faut évidemment une canne à pêche. Pour pêcher une canne à pêche, c'est simple. Hop, hop, vous mettez des bâtons comme ceci, et de la ficelle comme ceci, et vous avez une canne à pêche. Voilà. Alors ensuite, pour pêcher, c'est très simple. Vous vous mettez à côté de l'eau, vous prenez votre canne à pêche, vous cliquez droit, et vous attendez que ça morde à l'hameçon. Donc là, je mets... le zoom avec Optifine. Alors ça peut prendre du temps. Normalement vous allez voir, il y a strictement une animation avec des petites bulles qui se rapprochent de l'hameçon quand ça mord. Faut juste être un peu patient. D'où l'utilité de faire une usine à pêche, ce qu'on va faire pendant cet épisode. Regardez, vous voyez l'animation? Hop! Et on a récupéré un petit poisson. Alors oui, c'est bon, il a été jusqu'à nous. Donc voilà, donc ça c'est la pêche basique. Ça permet d'obtenir des poissons. Vous pouvez aussi obtenir des loots rares, tels que des enchantements, de l'équipement en cuir, je crois. Des nénuphars, des arcs enchantés. Livre enchanté, on l'a dit. Des bâtons, des... Enfin, vous pouvez obtenir plein de trucs. Donc ça peut être intéressant, mais nous, ce qui nous intéressera, c'est surtout... les enchantements et les arcs enchantés. Vous pouvez aussi obtenir des sels et des name tags. On verra ce que c'est. C'est un objet en fait qui permet de renommer une entité ou un mob par exemple. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse à présent avec la canne à pêche, c'est ceci. Regardez, on prend une canne à pêche, on met au bout une carotte. Alors, je sais pas si ça fonctionne avec une canne à pêche. Il faut peut-être une canne à pêche neuve. Oui, donc il faut une canne à pêche neuve. Donc vous mettez une canne à pêche, une carotte, vous obtenez une canne à pêche avec une carotte et vous voyez les cochons, ils sont tout de suite intéressés. Donc ce qu'on va faire, c'est que je crois en principe que si on met une petite selle sur le cochon comme ceci, qu'on prend une canne à pêche et qu'on grimpe sur le cochon, normalement on peut diriger le cochon. Alors, c'est pas forcément... Voilà d'autres cochons. Donc le cochon essaye de... Même si là, avec l'affichage, c'est pas très probant. En fait, il essaye de croquer la carotte. Et du coup, il avance. Le seul point négatif de cette vue, c'est que je vois pas où je vais. Voilà. Donc, ouais, c'est assez marrant. Ça va quand même relativement vite. Hein. C'est comme si vous... Oh, j'ai cru que Robert, il était pas content. Donc je vais essayer de le ramener là-bas.
Donc ouais, c'est plutôt marrant. Et je crois que par moment, le cochon peut manger la carotte. Donc essayez de toujours avoir une carotte en rab sur vous. Alors, arrête de bouger, Piggy. Hop, comment on descend d'ici? Shift pour descendre. Hop. Et vous voyez que par contre, ça use la canne à pêche. D'utiliser ça sur un cochon, ça l'use. Ok. Donc maintenant. Alors, deux choses. Qui dit pêche dans Minecraft dit qu'on peut faire une usine automatique de pêche. Et alors, en fait, je voulais la faire ici avec un bâtiment pour un pêcheur. Il y a des petits villageois qui peuvent être pêcheurs en profession. Du coup, je m'étais dit, on va lui faire un bâtiment, puis ça nous servira en même temps d'usine à pêche. Ceci étant, comme c'est une usine, on va être AFK un petit moment dans l'usine à pêche. En fait, on va pouvoir pêcher tout en étant absent du PC. Donc en fait, on maintient le clic droit de la souris. Alors vous mettez une masse sur votre souris ou moi j'utilise un élastique, c'est plus simple. Et en fait, vous allez pêcher automatiquement comme ceci. Alors le truc, c'est que j'ai réfléchi et je me suis dit que finalement, l'idée du bâtiment, je vais la conserver pour pouvoir éventuellement mettre les villageois qui seront des pêcheurs ici, dans ce bâtiment-là qui sera construit. Mais je me suis dit que ça serait plus probant de mettre l'usine à pêche à côté de l'usine à squelette. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que comme on va rester AFK dans l'usine à pêche en pêchant, on sera juste à côté de l'usine à squelette et que donc les squelettes, ils vont se stacker dans le grinder là-bas qu'on avait construit. Et du coup, on se met dans l'usine à pêche, on a AFK, et quand on revient, bah, d'une part, on regarde les loots un peu qu'on a obtenus grâce à la pêche, et on n'a plus qu'à balancer un coup de grinder. Ça marche plus? Ah si, ça marche. D'accord, il est là. Un coup de grinder plus la potion de dégâts et voilà quoi. Et on n'a pas besoin de rester là à attendre juste que les squelettes descendent. J'ai fait des tests et en fait, donc ça sera la salle de l'usine à pêche. En étant ici, en étant dans la salle, les squelettes tombent quand même. Donc ils vont s'accumuler ici pendant que vous êtes AFK à pêcher. Et quand vous revenez devant votre écran, bah, vous prenez vos loots. Vous allez ici, vous lancez le grinder, vous lancez la potion de dégâts après, et vous récupérez aussi les loots des squelettes. Donc ça fait double emploi, et comme ça permet que les deux fonctionnent en synergie. Donc voilà. Donc qui dit usine à pêche dit système un peu avec de la redstone. Mais celui que je vais vous proposer, comme d'habitude, il va être relativement simple, et j'ai essayé de le simplifier au maximum, de le compacter aussi au maximum. Et donc je vais vous présenter ça en monde créatif pour qu'on y voit un peu plus clair. Et après, je construirai ça ici. Parce que vous voyez, je suis un peu dans le vide. Il y a les murs sur les côtés. Donc, comme d'habitude, hein, ça va. Si vous ne maîtrisez pas trop la redstone, ça va peut-être vous ennuyer un peu. Vous allez peut-être pas voir comme il faut les choses. Donc, voilà. Donc, on se retrouve en créatif. À tout de suite. Et on se retrouve, les amis. Alors, voilà dans ce qui ressemblera à l'usine à pêche. Alors, simplement, évidemment, j'ai pas mis les blocs de construction autour. J'ai pas fait la déco. Il y a juste vraiment le système pour qu'on identifie bien les choses parce que je vais recouvrir en fait quasiment la moitié du système donc vous n'allez rien voir après. Donc comme d'habitude, un des critères c'est qu'elle est assez compacte. Pas de grosses usines overkill qui prennent 50 000 places. Au niveau des compos pour la créer, c'est vraiment très très simple. Comme d'habitude, c'est pareil, c'est un gros critère aussi. 3 répéteurs, 10 redstone, quelques hoopers. Enfin, c'est pas fou du tout. C'est pas fou du tout niveau compo. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, ici j'ai un levier. Donc, quand je l'actionne, la porte elle fait un peu la dingue là, et elle s'ouvre, elle se ferme en continu. Alors, on va couper parce que ça fait un bruit infernal. D'ailleurs, si vous allez à FK, oubliez, éventuellement vous pouvez couper le son, il n'y a pas de souci. Ça sera mieux pour vos oreilles. Alors, comment ça fonctionne? Vous vous souvenez de l'usine à pierre là qu'on avait faite?
Donc en fait, c'est exactement la même cloque. Donc il y a une torche qui injecte dans ce répéteur-là, qui injecte via la redstone ici dans ce répéteur-là. Ça, le signal retourne dans le bloc, réallume la torche et ainsi de suite, et ça fait une boucle. Le levier ici permet de couper ou de fermer le ou de ou d'ouvrir le circuit. Ici, vous voyez qu'il y a une autre poudre de redstone qui va venir aussi couper le circuit, mais qui va venir couper le circuit seulement quand le tripwire ici sera activé. Alors, qu'est-ce que c'est que le tripwire? Ce petit embout là ici et ce petit embout ici. Donc, on verra comment on les craft. Je vais essayer d'y penser et de ne pas oublier. Donc, en fait, quand on va, on sera ici avec notre canne à pêche. Quand on va tirer dans l'eau, le hameçon va aller sur la ficelle qui est placée ici entre les deux. Du coup, ça va activer le tripwire. Du coup, ici, le signal va venir interrompre la cloque. Donc la cloque va se couper, la porte va se fermer. Jusqu'à temps qu'on retire un poisson. Quand on retire un poisson, la porte s'ouvre, se referme. Et en fait, le truc, c'est que quand vous êtes avec une canne à pêche, vous voyez que là, je ne peux pas pêcher. Concrètement, la porte est fermée, je ne peux pas pêcher. Je peux envoyer mon hameçon que lorsque la porte... On va essayer de faire ça comme il faut, voilà. Que lorsque la porte est ouverte. Donc là, je suis comme ça. Et dès qu'un poisson va mordre... Donc là, je reste appuyé sur le clic droit pour vous schématiser ce que je fais. Dès qu'un poisson va mordre à l'hameçon, je vais récupérer l'hameçon forcément, ainsi que le poisson qui va arriver dans le coffre à droite. Et la porte va s'entrouvrir. Et je pourrai continuer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement de ma canne à pêche. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Ce serait bien qu'un poisson morde de temps en temps. C'est pour ça que c'est une usine AFK. Donc, dans l'absolu, voilà. Ah bah, vous voyez, on a obtenu un tripwire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un aperçu des loots qu'on peut avoir. On peut aussi avoir les bouquins d'enchantement et les arcs enchantés, comme je vous le disais. Alors, sinon, vous voyez qu'il y a un autre système ici. Donc on a vu le système pour arrêter la porte, le système de cloque ici, qu'on connaît déjà. Il y a un autre système ici, donc qui part toujours de la cloque. En fait, tout est relié à la cloque. C'est bien plus simple pour construire un système. Donc il y a une poudre de redstone qui va s'injecter via ce répéteur dans ce dropper. Et en fait, ça permet de faire une boucle avec les cannes à pêche. Donc je vous montre, si on remplit ce coffre de cannes à pêche, voilà, on va le blinder. Si on remplit ce bloc de cannes à pêche, donc les cannes à pêche, en fait, vont aller dans l'entonnoir ici. L'entonnoir dirige vers ce dropper qui est dirigé vers le haut. Donc en fait... Dès que la porte va s'ouvrir, une canne à pêche va être lancée. Et l'idée, c'est d'avoir son inventaire complètement plein, comme ceci. Voilà. Comme ça, lorsque la canne à pêche est lancée, si tant que notre canne à pêche à nous n'est pas cassée, la canne à pêche, en fait, va être lancée comme ceci, par le dropper. Elle est aspirée par le hooper. Elle retourne ici dans celui-là et elle est réinjectée dans l'autre dropper qui remonte, et ainsi de suite. Donc j'aimerais quand même avoir une canne à pêche, voilà. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc il y a un coffre ici pour mettre les cannes à pêche, l'autre ici pour récupérer les loots via ce hooper là. Donc ça paraît un peu barbare peut-être pour certains comme ça, mais en fait c'est vraiment très simple à construire, hein. Je vous mettrai le lien au tutoriel. Le lien du tutoriel dans la description comme d'habitude. Donc voilà, donc moi je vais reconstruire la machine en survie là, sur Lunacraft. Et je vais aussi faire le bâtiment du pêcheur comme je vous l'avais dit. Alors aussi vous vous demandez peut-être pourquoi on met une porte ici. Original. Vous vous demandez peut-être pourquoi on met une porte ici. Tout simplement pour éviter que la canne à pêche, quand elle est propulsée par le dropper, aille n'importe où derrière quoi. Et pour permettre à la canne à pêche d'arriver, de tomber directement dans le dropper, dans le hooper quoi qu'il arrive, et d'être réinjecté, et ainsi de suite. Donc on se retrouve en survie, je vous montre le craft
du tripwire que vous ne connaissez pas encore. Allez, on se retrouve. Et on se retrouve pour le craft du tripwire, pardon. Donc pour ceci, on a besoin de planches, de fer et d'un bâton. On va dans une table de craft. Et alors, ça se met dans cet ordre-là, le fer, ensuite le bâton et en dernier la planche. Et vous obtenez deux tripwire. Alors les tripwire fonctionnent comme un système de détection. Et la seule chose à comprendre en fait, c'est que pour relier deux tripwire, il faut des ficelles entre les deux. Voilà, c'est ce que vous avez vu dans l'usine à pêche. Donc moi, je vais faire, si j'arrive à rentrer, ce petit système ici. Et je vous reprends dès que c'est opérationnel. A tout de suite. Et on se retrouve les amis, on est devant la carte. Alors, je vais la récupérer, voilà. Alors, ce qui est embêtant, c'est que le bâtiment qui est en haut à gauche se coupe entre plusieurs maps différentes. Voilà. Bah c'est où? Ici. Valivalou. Hop. Je sais pas si du coup ça va. Ouais, ça peut-être aussi un peu sur. Ouais. Ça déborde un peu sur quatre maps différentes en fait. Voilà. Donc là c'est actualisé. C'est le petit bâtiment ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un peu mes réglages. Histoire de que ça soit plus joli, et je vous reprends tout de suite. Hop là, voilà, on se retrouve, on est en pack conquest pour bien apprécier les constructions. Donc la petite maison du pêcheur est ici. Donc, juste en face de nous. Donc bah, j'ai essayé de rester un peu dans les mêmes thèmes, donc avec une structure un peu en bois, des briques, des pierres, un peu de mousse, un peu de relief. Donc ça rend plutôt pas mal au final. Je trouve, donc ici, c'est pas l'entrée de la maison, ici c'est un petit débarras, un petit entrepôt, cabane de jardin, je sais pas trop ce que vous voulez. Donc il y a des coffres, des tables, tout ça, donc petit entrepôt. Et pour rentrer en fait, il faut passer comme ici. Ok, le poulet. Donc ici vous avez un petit canal où vous pouvez rentrer en bateau, ressortir en bateau, vous avez deux coffres, un petit espace. Hop, on va refermer ça. Et donc l'entrée de la maison est ici. Donc on rentre, c'est vraiment quelque chose de très simple, hein. C'est un pêcheur. Donc vous avez des petits sièges ici, petite biblio. Peut-être les biblios d'ailleurs, ça fait peut-être un peu trop. Donc là, il a tout ce qu'il faut. Il a un coffre, il a un four, il a des tables de craft. Et en haut, vous avez une mezzanine avec un petit lit. Voilà, voilà. Donc je trouve que j'ai essayé d'alterner aussi au niveau du toit les types de bois pour donner l'impression qu'il y avait du bois qui était un peu humide. En fait, comme on est au bord de l'eau. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en pack normal et on va se retrouver tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, pourquoi je fais des coupures? C'est tout simplement parce que des fois ça met longtemps à charger, donc ça sert à rien de surcharger un épisode avec aucun contenu. Et d'autre part, ça me permet de vérifier le temps d'épisode, donc comme ça je peux checker un peu. Et comme ça, je vous montre aussi en même temps ce que ça donne avec les textures originales, quoi. Enfin, là, c'est le... Je peux vous montrer. C'est le Faithful 64. Donc, voilà. C'est fidèle à l'original, avec une meilleure résolution. Donc voilà, la mezzanine avec le lit. Ici, la pièce principale, donc avec coffre, table de craft, four, les biblios, petits sièges. Un peu sombre ici. Mettre une torche ici, des fois que, donc je vous remontre un petit peu, comme ça vous aurez les deux versions. Donc là ici, la petite version avec l'embarcadère, avec les deux coffres, le petit abri, le petit entrepôt ici, donc voilà, et sinon l'aperçu général, vous l'avez ici. Ici, j'ai mis une petite lucarne qui... En fait, on va dire que ça sert juste à faire rentrer la lumière parce que... Totalement. Donc, vous voyez que j'ai alterné en fait les mélanges de pierres. Ici, pour la partie embarcadère,
La partie qui n'est pas habitée, j'ai mis de la pierre grossière. Et au-dessus, la partie habitable, habitée, j'ai mis de la pierre taillée, donc avec des dégradés en pierre moussue, pierre craquelée. Donc voilà, je trouve que c'est assez simple. Et puis, comme je vous le disais, bah, ça correspond à peu près à ce qu'on a fait à côté. Donc voilà, simple et efficace sera notre ligne de conduite, je pense. Alors, ce que. Regardez, donc j'ai crafté 3 nouvelles cannes à pêche et 3 potions de Je vous montre soins. À quoi ça ressemble? J'ai réussi à tout boucher. Je crois même que j'ai réussi encore à compacter, pardon, le système. Donc on va aller là-bas. Je vais peut-être enlever les shaders parce que des fois ça bug un peu quand on est à l'intérieur. Hop. Alors il y aura peut-être un truc à faire en fait, qu'il va falloir prendre les coordonnées du bloc d'eau dans l'usine à pêche et miner une galerie comme ça, un trou en l'air, parce que normalement la pêche est plus efficace quand vous pêchez au-dessus du vide, enfin au-dessus du jour. Donc c'est facile pour ça, il suffit de prendre les coordonnées looking at et vous voyez que ici c'est le bloc. Alors attendez qu'on se plante pas de coordonnées 754. Donc faut que j'aille en haut au niveau du bloc 200, moins 236 754 et que je creuse un trou en fait. Comme ça l'eau sera au-dessus du ciel et la pêche sera plus productive. Donc je vais faire ça. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, je vais lancer ma canne à pêche là-dedans. Et d'ailleurs, je vais peut-être même. Voilà, j'ai mis 3 cannes à pêche dans le système. Donc du coup, il y a 3 cannes à pêche qui vont remonter ici. À chaque fois que la porte va s'ouvrir, il y a une canne à pêche qui va arriver. Je vais remplir mon inventaire comme ceci. Hop, vous voyez, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune place. Et donc là, j'utilise ma canne à pêche. Tant que ma canne à pêche n'est pas cassée, le dropper ici va tirer une canne à pêche. Et comme je ne pourrais pas la ramasser parce que mon inventaire est plein, et ben ça va repartir dans le hopper. Et ça va par un circuit, en fait, ça va revenir dans le hopper et ainsi de suite. Il n'y a que quand j'aurai plus ma canne à pêche, quand ma canne à pêche sera cassée. Que la canne à pêche que le dropper va tirer, ben, je vais la prendre en main et je peux continuer. Et comme ça, je peux AFK pendant 4 cannes à pêche, il n'y a pas de problème. Donc je vais aller creuser mon petit trou et puis je vais faire l'AFK ici. Et vous voyez que quand on est ici, les squelettes apparaissent. Donc, là, il y en a déjà 25. Vous allez voir que quand on va arrêter la séance de pêche, il y en aura des tonnes et des tonnes, on va se faire des tonnes d'XP. Donc je vous donne rendez-vous à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve. Donc j'ai paramétré, enfin, pas que j'ai paramétré, en fait j'ai mis une masse sur le clic droit de ma souris. Donc voilà, donc là j'ai plus qu'à attendre. Vous voyez que les poissons se pêchent. Dès que le poisson est pêché, la canne à pêche se relance et attends un nouveau poisson et voilà et ainsi de suite. Vous pouvez aller vaquer à vos occupations tant que vous restez sur l'écran du jeu, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve les amis. Alors c'était relativement long. C'est pour ça que à mon avis, si vous remplissez tout ce coffre-là, vous pouvez AFK pendant une semaine. Non peut-être pas quand même, mais bah déjà rien qu'avec une canne à pêche c'est long. Alors avec plusieurs. Donc, d'une part, on va déjà couper ça. Alors, j'ai fait quelques bidouilles ici. Je suis pas bien convaincu. Je pense qu'au final, c'était très bien comme c'était au début. Je modifierai peut-être si besoin. Ah, le problème, c'est que je me suis coincé. Pas grave. Sortir et puis on remettra les blocs. Les blocs. Pas les blogs. Alors, vous voyez de magnifiques lags. Ceci va s'expliquer très facilement. Je vais vous montrer. Donc, regardez. Donc, bilan des courses. 29 petits poissons crus. 12 saumons. Une bouteille.
bouteille d'eau, un poisson chiffon, je sais plus comment on appelle ça, poisson qui gonfle là, je sais plus. De la rotten flesh, deux sticks et deux trapwire. Donc plutôt bien. Après, c'est juste avec une canne à pêche normale. Et j'aimerais qu'on fasse exactement le même test, c'est-à-dire juste une canne à pêche avec une canne à pêche enchantée. Alors, vous vous souvenez qu'au début, j'avais mis 4 cannes à pêche, je crois. Donc, ce dropper les a tirées. Le problème, c'est que comme j'avais pas fermé la porte, les cannes à pêche étaient par là-bas. Et du coup, au bout d'un moment, bah, elles ont disparu. Parce que forcément, mon inventaire était plein, du coup, je pouvais pas les ramasser. Donc il faut impérativement fermer la porte, comme ça la canne à pêche tape dans la porte et retombe après dans le hooper ici. Alors j'ai peur que ça soit. Je vais baisser le son. Enfin je vais même faire mieux, je vais couper le son. Parce que là j'ai peur que ça soit vraiment vraiment lagué mais complet. Parce que regardez-moi tout ça là. Alors j'ai une épée looting 2 ici. Alors l'idée en fait c'est de. D'une part on va couper pour éviter qu'il y en ait d'autres. Là c'est complètement lagué tellement il y a de monstres. Hein. Je sais pas combien il y en a. Y en a 512. Il y a 512 monstres ici. Donc il est possible que ça crache quand je vais les tuer. Alors je vais activer le piston là-haut qui va les crusher et qui va les laisser à un point de vie. Et après, je les termine avec la potion de soin et j'équipe mon épée pour bénéficier du bonus looting 2. Donc en gros, je clique là-haut, je prends la potion, je la lance et tout de suite, j'active l'épée pour bénéficier de l'option looting 2. Ce qui fait qu'on va looter deux fois plus d'objets. D'ailleurs, je vais sûrement passer quelques dizaines de minutes à tout ranger après. Alors, donc on est parti, on active le crusher. Alors heureusement que vous n'avez pas le son parce que 500 fois le bruit du des squelettes qui se font ratatiner. Voilà, on va attendre que ça soit terminé, sachant qu'il y a un petit lag. Je crois que ça va être monstrueux. Vous êtes prêts? Si jamais ça crache, on se retrouve. Allez, on lance la potion et on prend l'épée tout de suite. Oh là là, oh là là. Regardez tout ça. Regardez tous les loots. Oh là là. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. 3 FPS, 2 FPS, 4. Ça va remonter petit à petit au fur et à mesure que j'avale les petites bubules, mais. Mon Dieu. Non, n'empêche, c'est le bon plan d'avoir mis l'usine à pêche à côté. Ça évite de devoir attendre à rien faire, au moins on attend à faire un peu de pêche, donc on a en plus des loots. Ouais, donc voilà. C'est pas mal tout ça. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer. Ah, je crois que ça y est, ça commence à diminuer un petit peu le flot des. Non, quoique, c'est même pas dit. Non, il y a encore. Vous voyez en haut, entité 420, en fait c'est 420 boules. D'XP à ramasser. On vient de prendre 10 niveaux. 11. Ah, c'est le bon plan en fait. C'est le bon plan. Vous venez avec 2-3 cannes à pêche. Bon, après, il faut. Votre PC risque de cramer avant quoi. Mais. Parce que là, il y a juste une canne à pêche. Heureusement que j'ai pas fait les 4. Regardez-moi tous ces. Alors ça c'est des loots qui n'ont pas réussi à tomber dans les. Ah c'est en train de tomber petit à petit. Quelle horreur. Ah ça y est. Bon, écoutez, je fais du rangement de ça et on se retrouve en haut pour crafter une canne à pêche enchantée. À tout de suite. Et on se retrouve alors. On va prendre ce qu'il faut pour crafter des cannes à pêche.
Je cherchais le mot. Et des bâtons, j'en ai sur moi. Ok. Ok. Une petite table de craft, peut-être. Alors, tac, 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 tac. On va en faire 3. L'avantage, c'est que maintenant, on a les niveaux qu'il faut pour enchanter. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je vous garantis que quand Mending va sortir, l'enchantement qui permet de réparer vos objets et vos équipements quand vous ramassez de l'XP avec la ferme à zombies, là, je vous garantis qu'il n'y aura plus besoin de réparer ces objets. Hein. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on va prendre les lapis-lazuli. Alors, est-ce qu'on a un bouquin qui pourrait nous aider? Tiens. Alors, Unbreaking c'est solidité, ça peut être intéressant. Lure c'est appât, ça permet d'augmenter le taux de poisson. Mais parallèlement, si vous augmentez le taux de poisson, vous diminuez le taux de trésor que vous obtenez. Donc à voir si vous voulez des poissons, il faut l'enchantement appât, lure. Et si vous voulez des trésors, il faut l'enchantement chance de la mer. Alors je ne sais pas si on l'a quelque part. Pop, 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 pop. Luck of the Sea. Voilà, bon, on va prendre ça. Luck of the Sea and Breaking. On va voir quand même, on va essayer d'en enchanter une, voir ce que ça aurait donné. Luck of the Sea 1. Ouais, bah écoutez, on a déjà un bouquin qui est déjà tout prêt. On va regarder avec une autre lure. Donc, appât 1. Donc c'est relativement lent. Donc on a déjà les bouquins. Alors je vous rappelle, hein, vous prenez un bouquin, vous le mettez là-dedans avec du lapis lazuli, vous pouvez l'enchanter. Et donc au final, ça donne de meilleurs enchantes que d'enchanter les cannes à pêche une par une et les fusionner après. Donc c'est toujours bon à savoir. Donc ce qu'on va faire, c'est... Elle est où l'enclume? Ah, elle a été détruite. Et Ah hop. mince alors. Alors donc on met... Une canne à pêche, un bouquin d'enchant. Hop, on va mettre le deuxième. Hop là. Et on a la super canne à pêche de la mort qui tue. Donc là, on a une canne à pêche chance de la mer 3 et solidité 3. Ça veut dire qu'elle va durer 3 fois plus longtemps déjà. Et elle a l'enchantement chance de la mer. Ce qui veut dire qu'en fait, on va pêcher beaucoup plus de trésors. Et on se retrouve les amis. Alors, ça y est. La canne à pêche vient de péter. Alors vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait peut-être un petit souci de délai à ajuster ici, là, au niveau de la cloque. Mais pas du tout en fait. Hein. C'est pas ça qui causait le problème. Le problème, il venait de l'usine à squelettes, tout simplement. Parce que donc là, on peut voir qu'il y a 14 entités. Hop, ici, 14. Et tout simplement parce que j'ai verrouillé le système. Alors le truc en fait c'est que quand vous avez comme tout à l'heure plus de 500 entités, ça fait complètement laguer le jeu en lui-même. Alors pas forcément votre PC, si vous avez un bon PC ça passe à peu près, mais ça fait laguer votre jeu en lui-même et du coup le délai de la porte n'est plus du tout bon, enfin la porte est complètement détraquée. Et du coup, ça vous empêche de pêcher convenablement. Alors de ça, deux choses l'une. Soit vous descendez ici uniquement pour faire de la pêche. Dans ce cas-là, vous prenez votre canne à pêche, vous installez, même vous pouvez prendre plusieurs cannes à pêche. Je vous garantis déjà qu'une canne à pêche, ça tient longtemps. Hein. Donc si vous en mettez 3 ou 4, prévoyez, je sais pas, peut-être 2 heures. Donc surtout si elles sont enchantées avec solidité. Donc c'est vraiment une grosse usine pour les gros AFK. Donc si vous voulez, et si vous venez juste pour la pêche, donc ce qu'il faut faire, vous fermez l'usine, donc vous fermez le piston comme ici, et vous pouvez vous mettre là, et là ça fonctionne sans problème. Regardez, je vais vous montrer, hop, dans ce coffre-là. Donc là c'est tout ce qu'on a obtenu, donc on a des bouquins d'enchantement. Protection contre les projectiles, dégâts de chute, enfin plein de trucs qui peuvent être intéressants. Efficiency 3, Power 4. On a même chopé des arcs, donc comme je vous disais, on chope des arcs.
Infinity 1, Flemme 1, donc très intéressant d'ailleurs, puisque ça permet de tirer les flèches à l'infini et de tirer des flèches enflammées. Un Power 4, donc vous combinez les deux et puis ça donne déjà quelque chose de pas mal. On chope aussi des cannes à pêche qui sont déjà enchantées. Donc vous voyez, appât 2, chance de la mer 2, solidité 3, donc déjà avec ça vous êtes bien. Appât 2, solidité 3, donc vous avez en fait vous avez un système qui s'auto-alimente quasiment en canne à pêche. Vous chopez ici un nombre incalculable de sels, sachant que ça en gros là, tous les loots rares, tous ces loots là, c'est juste pour une canne à pêche qui avait chance de la mer 3. Et vous chopez des petits poissons. Donc des poissons ici, là, ceux que je mets sur la ligne du haut, qui vous serviront pour manger. Je remets un peu tout dans l'ordre là. Alors ça c'est dommage qu'on ne puisse pas les stacker. Vous chopez un peu de cuir, donc ces poissons-là qui vont permettre de faire des potions de respiration aquatique. Vous chopez aussi des nénuphars. Tiens, bah d'ailleurs on va les prendre. Alors, on va rassembler les sticks. On chope des name tags aussi. Alors en français, la traduction c'est étiquette si vous avez le jeu en français. On va en prendre un. On va prendre un nénuphar et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ces deux trucs-là, c'est très intéressant. On chope des tripwire, des poissons, un peu d'os éventuellement, des bouteilles, du cuir. Enfin, on chope vraiment plein de trucs. Donc tout ça, là, en gros, rien qu'avec une, surtout la ligne du bas, rien qu'avec une seule canne à pêche. Donc je vous laisse imaginer les potentialités de la chose. Donc oui, donc il y a deux possibilités. Soit vous venez juste pour la pêche, vous vous installez là, vous refermez la porte si vous mettez plusieurs cannes à pêche, et puis vous faites votre petite tambouille. Donc il suffit de pousser le levier pour désactiver le spawn intempestif de mobs. Alors vous voyez ici qu'il y a entité 15. Alors en fait, ça va nous permettre de revenir un peu sur les propriétés du mob spawner. Donc dans l'épisode où on avait construit l'usine à squelettes, je vous avais parlé d'une zone de spawn en fait, donc qui s'étend 4 blocs sur les côtés, 4 blocs de chaque côté du spawner et 2 blocs en haut et en bas du spawner pour faire simple. Alors ce qu'il faut le savoir, c'est qu'il y a aussi une autre zone qui se rajoute à cette zone et en gros qui va entourer la zone de spawn de façon cubique en fait, qui va l'entourer de 2 ou 3 blocs, je crois que c'est 2 blocs. Qui va l'entourer de deux blocs. Et à partir du moment où il y a des monstres dans cette zone cap, on va l'appeler comme ça, il peut y avoir qu'un certain nombre de mobs dans cette zone cap. Je crois que bah, visiblement ça doit être 15 hein, de toute façon. Et donc en fait, là l'idée de l'usine, c'est de faire un petit chemin d'eau pour les amener ici. Donc ça on avait vu, hein. Et le fait qu'ils soient ici, en fait, ils sortent de la zone cap. Donc à partir du moment où les mobs sont sortis de la zone cap, bah il peut toujours y en avoir qui arrivent. Tant que la zone cap n'est pas pleine, comme ici. Ici, là, elle est pleine, avec 14, 15 entités. Voilà, 15 entités. Le spawner ne spawn plus de squelettes. Tandis que si on laisse les squelettes descendre ici, bah le spawner va continuer à spawner des squelettes. Voilà. Donc, première option, usine à pêche seule, si vous voulez pas être embêté, vous voulez vous faire des longues sessions de pêche. La deuxième option, si vous voulez des os, vous descendez ici pour avoir des os et de l'XP. Bah, très bien, donc vous ouvrez. Et moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller dans l'usine à pêche, de prendre votre canne à pêche et puis de mettre une masse sur le clic droit de votre souris. Puis vous AFK comme ça. Et au bout d'un moment, de toute façon, l'usine à pêche ne va plus produire. Parce que il y aura trop de mobs ici et du coup ça va causer du lag. Alors c'est pas gênant en soi, dans le sens où bah, quitte à rester ici à rien faire, en attendant que les monstres tombent, autant. Pardon. Faudra que je fixe ça aussi parce que ça peut vite être énervant. Autant attendre ici à pêcher et à récolter des loots super intéressants, surtout qu'avec la nouvelle mise à jour, on pourra choper aussi des bouquins mending et des cannes à pêche mending et éventuellement des arcs mending. Donc pourquoi s'en priver? Donc voilà,
Donc, deux conseils, si vous voulez uniquement la pêche, vous désactivez le levier. Et si vous voulez de l'XP, vous activez le levier, vous allez pêcher aussi un petit peu pendant votre AFK. Comme ça, c'est pleinement rentabilisé. Voilà, donc avant qu'on se quitte, alors on va faire les choses correctement. Je vais vous montrer un peu le nénuphar, comment ça fonctionne. Alors vous allez voir que ça peut être très intéressant. Alors il fait nuit, donc on va faire attention à pas faire exploser des creepers éventuellement s'il y en a. Alors donc on va aller au village. Je vais vous montrer un peu les propriétés des lilypads, donc les nénuphars en français. Alors on va le mettre. Tiens, bon, on va le mettre au niveau de la cabane de. Enfin de la demeure du pêcheur. Donc, voilà. Si je mets. Voilà, je mets un lilypad ici. Et donc je peux monter dessus. Et ça peut être intéressant, vous pouvez vous faire comme ça des chemins d'une rive à l'autre. Et vous pouvez pleinement marcher dessus sans tomber dans l'eau et sans perdre de vitesse. Donc très intéressant. Alors un autre loot intéressant qu'on a obtenu et qu'on ne connaît pas encore, c'est le name tag. Donc, on va voir comment ça peut être utilisé. Donc l'étiquette, pour qu'elle soit utilisée, vous avez besoin d'une enclume. Vous mettez votre étiquette dedans. Et il vous suffit ici de mettre. Allez, on va faire la name tag pour Rob. Donc là, on a une name tag qui s'appelle Rob. Donc on va aller le chercher, le coquin. Hop, viens ici. T'as le droit à ton petit nom. Voilà. Maintenant, il s'appelle Rob. Et vous pouvez renommer comme ça plusieurs entités du jeu. Vous pouvez renommer les animaux éventuellement. Votre cheval. Les villageois, c'est un petit peu plus compliqué. Faut un peu forcer le système. On verra sûrement ça. De toute façon, dans les prochains épisodes, on essaiera de renommer les villageois en fonction de ce qu'ils proposent d'intéressant. Donc voilà. Voilà pour la pêche. Je crois que j'ai rien oublié. Je vérifie quand même. Il me semble pas. Non, bah c'est plutôt. De toute façon, c'était plutôt complet. Je vous rappelle que dans le descriptif de la vidéo, je mettrai le lien vers le tutoriel pour réaliser l'usine à pêche. Et bien voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. D'ici là, amusez-vous bien et à tchou tchou.